Allez, salut à tous les amis, c'est Land2Play, j'espère que vous allez bien, moi ça va super, super bien. Et nous sommes le jeudi, nous ne sommes pas jeudi, non, nous sommes vendredi tout à fait. Nous sommes jeudi 30 mai. Et on se retrouve pour une nouvelle vidéo de SimCity. Alors c'est vrai que ces temps-ci je fais beaucoup de SimCity, à peu près, si je dis pas de bêtises, au moins deux par semaine. Je pense que je vais continuer sur cette base. En ce qui concerne les autres séries du style Black and White et Prison Architect, j'ai déjà réduit, mais je vais continuer à réduire un peu. J'en ferai de temps en temps. Surtout que là, je vais arriver bientôt en vacances. J'en ferai de temps en temps. Je ferai des sessions assez longues comme ça. Ça ira plus vite pour terminer et libérer la place pour d'autres séries. Quant à Prison Architect, j'attends juste que le jeu se mette à jour. Se mettre un peu plus à jour et qu'il apporte vraiment plus de grandes nouveautés entre guillemets. Enfin, vous m'avez compris. Voilà. Donc, pour l'instant, on est sur Tarantule. J'ai encore oublié de regarder les noms, j'ai pas oublié, mais je les ai regardés, mais pas juste avant de faire la vidéo. Donc, c'est vrai que ça fait assez longtemps. On va la renommer. Alors, il y avait un nom de ville qui m'avait fait un peu marrer, c'était Chinese Factories. C'est pas mal comme nom. On pourra changer, mais pour l'instant, je trouve ça Chinese Factory. C'est pas trop un nom de ville, mais c'est pas grave, je trouve que ça fait classe. Chinese. Oui, je crois que c'est bien comme ça, Chinese. Ok, bon, alors, aujourd'hui, on va rester un petit peu donc sur Chinese Factories et on va retourner là-bas, là, comment ça s'appelle ? J'en viens à oublier le nom de mes propres villes, à Poor City, bien sûr. On ira voir pour les projets de développement et tout le reste. Aussi, vous m'avez bien dans les commentaires là, par rapport à au centre de recyclage, j'étais là. Je comprends pas, ça produit pas, machin et tout. Mais en fait, c'est que j'avais juste oublié de rajouter. Bon, évidemment, je l'ai fait à la fin. J'avais oublié de rajouter l'aile alliage. Vous voyez, là, ça produit de l'alliage. J'avais oublié de la rajouter comme un con. Bon, je l'ai fait à la fin, mais dans les commentaires, vous l'avez bien fait remarquer, quand même. Hein. Tiens, d'ailleurs, quand on parle d'alliage, est-ce que le grand travaux avance? On est à 140 tonnes de métal. Alors, je vous rappelle que le métal, je l'importe. Par contre, l'alliage, non. C'est pas encore ça, l'alliage. Pourtant, je crois que j'en produis, vous voyez, j'ai 5,6 tonnes d'alliage. Attendez, est-ce qu'il faut pas rajouter des camions? Non. Il faut peut-être rajouter des camions ici, alors. Mais voir ce que je peux rajouter. Oui, camions de transport. Attendez, mais est-ce que au moins... oui, j'ai mis de l'alliage, donc il me faut plus de camions de transport. On va rajouter la masse de camions de transport. Donc j'ai l'argent, j'ai 24 000 simflouz, pour l'instant ça peut aller. Donc là normalement j'ai assez de... ouais, il y en a assez. Aussi on m'a dit dans les commentaires que j'avais la place pour construire... Alors qu'est-ce que... Non c'est ça, ok. J'avais la place, alors j'avais détruit cette zone et on m'a dit dans les commentaires que j'avais la place, que je pouvais le construire, mon quai de cargo. Alors écoutez, si j'avais la place on va réessayer, mais... Pour moi, je n'avais pas de place. Donc on va réessayer. Hein. Après, c'est peut-être moi, je me suis trompé. On va péter ce truc. On va péter... La route, je sais pas si c'est nécessaire, mais attendez, on va essayer comme ça. Attendez. Non. Hop, on va virer. Hop. Alors, à moins qu'il y ait besoin de la route... Non, vous voyez, je ne peux pas Non, je ne peux pas le poser. Si, mais j'ai pas assez de Sims Fool. Eh bien, tu avais raison. Alors, j'ai complètement oublié ton pseudo, tu m'excuseras, mais tu avais tout à fait raison. Je peux poser le quai de cargo. Eh bien, merci de me l'avoir dit dans les commentaires, c'est vraiment super sympa. Maintenant, je me coucherai moins con, vois-tu. Voilà. Par contre, ça coûte combien, cette merde? 100 000 $, d'accord, bon... Eh bien écoutez, on a le temps. Ah non, est-ce que je peux faire un prêt? Oui, je vais faire un prêt. Tac. Voilà.
Un beau petit prêt. Le petit prêt. Et hop, le porc. Enfin, le bon gros porc. Alors, le bon gros porc. Alors, évidemment, non, on peut pas faire de route. Ça va être compliqué, hein. Ouais. Qu'est-ce qu'il me dit? Ouais. Ouh là là, là, il me fait un truc. Bon, écoutez, bah on peut pas. Hein. Bon, c'est pas grave, on va laisser ça comme ça. Ça fait pas très joli. Ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter des bases. Je sais pas pourquoi je dis des bases. Non, non, des arbres. Non, je me fous de ça. Je vais rajouter des arbres ici. Voilà, comme ça, ça ne se verra pas. Super, donc ce cargo me permet. Alors, on va voir. Permet d'importer et d'exporter les ressources à l'aide de grands cargos. Les grands cargos ne transportent qu'une ressource à la fois, mais en grande quantité. Ça, c'est vraiment très très pratique, voyez-vous. Parce que grâce à ça, je peux exporter bien plus de ressources. Mais vraiment beaucoup, hein. Ou en exporter. Déjà, ça c'est intéressant. Donc 42 000 j'exporte. Je vais utiliser l'alliage en utilisation en local pour voir ce que ça fait quant aux grands travaux. Ici, bon, ça a du mal à produire quand même. Hein. Fermé pour processus d'embauche. Ah, flûte. Attendez, on va essayer d'abord de régler les problèmes d'eau. Hop. Je bourre les châteaux d'eau. Bon, je viendrai peut-être un jour à mettre une une station de pompage, évidemment. C'est beaucoup plus économique et ça produit bien plus. Bon, là, par contre, niveau personnel, ça commence à devenir chaud. Là, j'ai de moins en moins de travailleurs. Ça devient compliqué. Écoutez, hein. Autant rentabiliser l'espace. En tout cas, il faut que cette... Non, c'est bon. Ça remarche. Là, je pourrais améliorer à partir de 30 000. Ici, qu'est-ce qu'il me dit? On embauche... une zone résidentielle pour attirer plus d'employés. D'accord. Ouh, au niveau transport, ça commence à être assez tendu. Je remarque. Bon, évidemment, mon port commercial ne me sert à rien. J'ai emprunté, mais pour l'instant, il ne me sert à rien. Va falloir que je place d'autres lieux de stockage. Mais ça, ce sera pour après. Pour l'instant, je m'occupe des grands travaux. Ah oui, on va devoir s'occuper des téléviseurs aussi. Alors, les téléviseurs, qu'est-ce qu'il faut? Division électronique... Grand public a un siège électronique. Siège électronique. Il faut que je vende des processeurs. Et pour faire des processeurs, ayez 5 bâtiments industriels de niveau technologique moyen. D'accord. Ayez 5 bâtiments industriels de niveau technologique élevé. Ah oui, en fait, là, je me fais couiller. Bon, finalement, on va pas faire de la haute technologie dans cette ville. On va plutôt prendre une autre ville. Ouais, on prendra une autre ville. Là, c'est vraiment l'industrie lourde, très peu élevée technologiquement. Sauf que là, niveau main-d'œuvre, ça commence à saturer. C'est pour ça que vous voyez, on est obligé sans cesse de créer d'autres villes et d'autres villes et encore d'autres villes. Bah là, j'ai pas le choix, hein. Écoutez, non, c'est pas ici. Je vais rajouter quelques zones en attendant. Hein. Rajouter de la zone résidentielle. Il nous faut du people. Niveau poubelle, qu'est-ce qui s'est passé? Non, ça allait là. Est-ce que ça produit? Fermé pour processus d'embauche. Ah oui, mais ça produit déjà, ça c'est bien. Je me rends compte que je perds vachement d'espace ici. Je vais faire des petits quartiers comme ça parce que... Et voyez que la densité augmente vraiment énormément. Ça c'est intéressant. C'est vraiment intéressant à voir. Je gagne, oui, je gagne beaucoup d'argent. C'est un travail ingrat. Quelqu'un doit pourtant s'occuper, créer des zones. Ouais, il manque vraiment de main d'œuvre. Bon, écoutez, on va faire un tour déjà du côté de... d'abord du grand travaux, juste pour voir. Bon, le métal, ça continue. Mais l'alliage, non. L'alliage, ça a du mal. Hein. La matière recyclable, va falloir que j'apprenne un peu plus. Hein. Bon, on va aller à Port City. À Port City. Port City. Pour développer de nouveaux projets.
déjà de recherche. Et puis on va peut-être commencer une nouvelle ville aussi, puisqu'on fera une ville où il y aura que de la zone résidentielle. Alors, division commerce, siège métal, ouais, disponible, machin. Alors, projet de développement. Oui, bien sûr, le projet de développement ne continue pas lorsque l'on se trouve dans une autre ville. Il stagne. Donc, on n'a toujours pas débloqué les éoliennes propres. Ah, jolie la musique. On va rester ici un peu, voir... Très belles entreprises technologiques. Ce sont des laboratoires, ben regardez ça, ils ont la classe. Magnifique. C'est magnifique. Et magnifico. Si, 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 magnifico. Quant à la population, oui, on a quand même des zones commerciales. On gagne 13 000 de l'heure. C'est la ville la plus rentable que j'ai jamais faite. Ouais, alors je sais plus ce que je voulais dire. Éolienne axe vertical. Alors là, évidemment, 5 heures du matin. Les élèves vont bientôt embaucher, si je puis dire. Voilà, donc c'est un nouveau jour. J'ai quasiment 3000 élèves, hein, pour vous dire. Dans mon université, c'est magnifique. C'est magnifique, je peux enseigner à 4000 sims. Ça, c'est n'importe quoi. Oui, et en termes d'électricité. Non, ça va, tout va. Qu'est-ce que... Ah, je peux améliorer la maison du maire, c'est vrai, ben, le palais du maire. Ma baraque. Un balcon. Un poste de garde. Tu vas mettre un poste de garde. Voilà. Ouh, je pourrais mettre une serre après. Bon, au moins ça contribue au bonheur collectif et ça c'est bien. Yeah. Je débarrasse les déchets. Ouais, c'est bien ça. Disponible. Tous les ministères sont disponibles dans la région. Ça, c'est intéressant. Ou tu pourrais aller voir comment on fait. Classe pleine. Classe pleine. Alors ça, ça veut dire que... Ah, je peux rajouter une... Ah ouais, c'est bien ça. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? École de sciences, enseigner la science, mais ne vous laissez pas aveugler par elle lorsqu'il est fréquenté. La valeur du terrain, non. Ce n'est pas ce que je veux, richesse élevée, richesse... Ouais, de toute façon, tout fait en richesse élevée. Mettez vos étudiants au travail lorsqu'il est fréquenté. Ce bâtiment augmente le profit commercial dans toute la ville. Ah, c'est intéressant, ça faudrait que je le mette. Mais école de droit, les criminels incarcérés, non. Ce bâtiment réduit le risque de maladie dans la ville, ouais. Lorsqu'il est fréquenté, ce bâtiment, la réussite de l'industrie high-tech, ça c'est intéressant, ça je vais le placer. Hop. Et voilà, une école de sciences. Mais les classes sont pleines. Non, en fait ils se sont gourés. On va attendre que le projet se termine. Déjà, vous voyez, on a déjà... Ça fait deux fois déjà dans la même phrase, mais attendez. On a quasiment atteint le troisième engrenage, je disais boulon avant, hein, des boulons. Mais en fait, non. Ce sont des engrenages, on a quasiment atteint le niveau maximum en termes de technologie. On est quasiment niveau 3 aussi d'éducation. Très 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 bon score. Vraiment excellent même. Alors, jetons un coup d'œil, développer le projet central solaire à l'université si vous voulez placer un monument. Ouais, placer un garde-train de passagers. J'en ai déjà mis là, qu'est-ce que tu me racontes Michel? Arrête de dire des bêtises. 15 minutes d'attente, c'est bien, c'est raisonnable. Alors, 98%, on va attendre, attention, 2630 élèves quand même. Et voilà, nous avons terminé le projet de développement éolienne. Développement terminé, on a la possibilité de faire des centrales solaires très propres maintenant. Et ça, ça va être utile quand on va créer une autre ville. D'ailleurs, je pense qu'on va sûrement commencer dans cet épisode. Alors, panneaux solaires thermiques, non, ça on peut le faire éventuellement, 175 000. Sauf que je compte pas le faire en fait, c'est ça le problème. Voyons ce qu'on a d'autre. Ah, au niveau de la centrale nucléaire, sauf que ça vaut très très cher. Générateur charbon propre, ça m'intéresse plus. Tac, 175 000. Améliore. Oh, en plus je peux améliorer mon université, voilà. Mon université qui est améliorée, j'ai atteint 3000 étudiants en une journée. Très bon score. Voyons voir ce que je peux mettre. Ah bah voilà, je peux déjà mettre une nouvelle école. Alors si je mets une école de commerce, peut-être, pourquoi pas.
Ah, le niveau technologique a un tout petit peu baissé, c'est marrant ça, je ne savais pas que ça pouvait baisser à ce point-là. Bah écoute, on va faire une école de... De toute façon, il va falloir tout que je les fasse, donc on va mettre d'abord une école de commerce. Voilà. Voilà, 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 voilà. J'ai vraiment... mon campus commence à devenir plutôt rempli, ça c'est... C'est cool. Par contre, je ne peux plus faire de dortoir. Apparemment, et regardez-moi ce nombre d'étudiants. C'est choquant. C'est vraiment choquant. Enfin, c'est choquant dans le bon sens du terme, bien sûr. Bon. Bah écoutez, je peux me barrer. Hein. Regardez, on commence déjà à avoir les premières tours. Nous sommes à 117 000 habitants. Je crois que c'est la ville la plus réussie depuis le début. Hein. Et elle est très bien. On a les premières tours. On a de tout. Bon, par contre, la demande résidentielle est toujours aussi élevée. J'ai des bâtiments abandonnés. Ah ouais, j'en ai pas mal. Hein. On va supprimer ça. Par contre, j'ai de gros problèmes de trafic. Regardez-moi ça, c'est ultra congestionné. Pourtant, j'ai fait un réseau de bus. Ça, ça m'étonne. Oui, j'ai fait un réseau... Non, ça, c'est la police. J'ai fait un réseau de navettes. Ah bah j'ai... Ouais, en plus, 55 minutes, 14 000 passagers par jour. Ah ouais. Il faut que je modernise. J'ai pas le choix. On va mettre le temps rapidement. Alors, vous voyez, tous les bus, oh, ils sont coincés dans les embouteillages, les pauvres bus. Alors, gare routière. Une gare destinée aux gros bus municipaux, régionaux, les Sims. Ok, bah on va en mettre une, qu'on va placer juste ici. Ok, ça c'est de l'investissement. Alors, voyons voir ce qu'on peut faire avec cette grosse gare routière. Eh bien, on peut tout simplement mettre le panneau et les maxibus de la mort. Et là, on va augmenter la capacité et passer Team Flouze. Oui, ça coûte très cher. Mais là, normalement, ça devrait fluidifier le trafic. Je peux encore améliorer ma baraque. Qui ne cesse de monter en popularité. C'est fabuleux. Vous voyez, c'est un palais le machin. C'est un truc de fou. Alors, ici, passer Team Flouze. Bon, va falloir que je fasse attention. Ok. Les pompiers. Ah, mais pourtant j'ai une caserne aux pompiers, non? Zéro incendie par jour, qu'est-ce que tu me racontes? Non, je supprime une maison de riche. Jamais je supprimerai une maison de riche. Non, je rigole. Bon, bah c'est cool, on est déjà à 6% développé. Ouais, c'est sûr que ça va être plus long. On a déjà des premières. Ouais, les tours. Non, c'est vraiment une très très bonne ville. Bon, bien sûr, mis à part le trafic. Qui est légèrement saturé, hein, il faut le dire. Bon, les bus vont faire leur job. D'ailleurs, je vais en rajouter encore. Bus municipaux. Ah, mais ça coûte vraiment très cher. Hein. Ah, mais d'accord, 3 bus dans le garage. Ah oui, d'accord, ça, ce sont des navettes. Et là, nous avons des bus. Ah oui, ce n'est pas la même chose, effectivement. Un bus aura beaucoup plus de capacité. Ce qui fait que... Les bus sont encore blancs, je vais me faire... quand même, attends, j'investis dans le bus, tu... Hein, bon. J'en remets un si tu veux, mais... Alors là, vous avez un nombre de bus absolument phénoménal. Mais regardez-moi ça, tout le monde se... Attendez, l'embouteillage... D'accord, l'embouteillage va jusqu'à Petrol Town, tout à fait normal. C'est logique. C'est logique, nous sommes à 123 000 habitants, c'est fabuleux. C'est fabuleux, c'est fabuleux. Écoutez, paf. On va se mettre là. Tac, tac, tac. Je pense qu'on va construire une autre ville. On va peut-être se placer à un autre endroit. On va faire une ville uniquement résidentielle qui pourra apporter du... Des... comment ça s'appelle? Des consommateurs et, de la main d'œuvre particulièrement. Alors ici, nous avons beaucoup d'eau, un tout petit peu de pétrole et un peu de minerai. Ouais, bon. Ouais, non, là, il y a trop de minerais. Ça va être une ville minière, ici. Ok, bon, on va prendre celle-là. Quoique, attendez, ici... Oh, du charbon, un peu de pétrole, et ici... Non. Ok, on va prendre cette ville-là. Allez, c'est parti. Rivière de Saguero. Rivière, avec le petit accent. Oh, ben, génial. Ben, en plus, nous avons
une rivière qui passe au milieu. Ça va être intéressant comme territoire. Ok, bon, alors, bah, c'est parti. On va essayer de faire... Oula, j'ai du mal à m'exprimer. De faire venir des riches, des pauvres. Vous allez voir, ça va être sympa. Alors, pour commencer, on met pause et on emprunte à Gogo. Bon, on va d'abord faire 100 000 pour voir ce que ça donne. Tac. Et on va faire comme ça pour l'instant. Voilà. Ensuite, on va faire des carrés de route comme ceci. Ouais, je laisse la place pour les services publics. On va faire comme ça. Ça coûte cher, hein. Vous voyez, les routes, c'est vraiment abusé. Ah, mince. Il y a le train. Va falloir que je fasse une gare de passagers. Ça va être un petit peu chiant. Bon, voilà. Pour l'instant, on va faire venir du guys. Normalement, ils auront largement assez de boulot pour aller bosser eh bien dans les autres villes, à Chinese Factory notamment. Bon, là par contre, ça va être du carré, 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 carré. Voilà. Et là on balance avec un petit peu de zone commerciale. Oui, ça va être du... Pardon, ça va être du commerce, du logement. Et un petit peu de commerce, bien sûr. Parce que vous voyez que la demande industrielle est juste très, 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 très faible. Qu'est-ce qui me veut passer le producteur de marchandises? Ouais, alors, niveau eau, je crois que j'ai un peu d'eau, ouais. L'eau, ça suffit. Ouais, je peux produire ma propre eau. On va acheter de l'électricité. On va acheter de l'électricité. Ah, merde. Aucune ville ne peut fournir l'électricité. Parce que c'est trop loin. Eh ben écoutez, c'est pas grave. On va pouvoir faire de l'électricité avec notre centrale éolienne propre. Le vent va par ici. Faudrait que je la fasse là-bas. Écoutez, on va faire une route. Ah mince, j'ai fait une connerie là, voyez-vous. J'ai fait une bourde. Non, j'ai fait une bourde. Ça va me coûter de l'argent. Voyez-vous, il faut que je fasse une grosse avenue ici. Voilà. Ok, là on est bien. Là, on est mieux. On est mieux, voyez-vous. Là, c'est beaucoup mieux. Et on va foutre une centrale électrique. Alors, la centrale électrique, je vais compter la foutre. Bah tiens, d'ailleurs, on va faire en... On va continuer un peu, voilà. On fera un pont, hein, bien sûr. Ah, mais par contre, j'ai pas laissé la place. Bah écoutez, tant pis, on va la mettre là, hein. On va la mettre en plein milieu, c'est pas grave. Ok, de l'électricité. Alors par contre, tu vas me mettre... Ah, ça coûte 20 000 quand même, hein. C'est pas donné, hein. C'est vraiment pas donné. Bon, attendez, on va mettre des petites éoliennes toutes pourries pour l'instant. Pas besoin de mettre plus. On mettra les éoliennes à axe vertical lorsque on aura les moyens, voyez-vous. Ok, l'électricité arrive. Au niveau RCI, est-ce que ça va? Non. Oui, pardon. Oui, ça va. Un lieu de culte. La demande industrielle, ça commence à s'élever un peu. Pourtant, vous avez de quoi... Enfin, vous savez où aller. Oui, je vais mettre un lieu de culte. Si tu veux bien m'excuser, je vais mettre un lieu de culte. Ah, on peut mettre des monuments dans cette ville. Ouais, on peut faire une ville ultra touristique. Bah, c'est ce qu'on va faire. Voilà. Cette ville sera spécialisée... dans le tourisme. Voilà, et là ça va faire plaisir à tout le monde. Est-ce que je peux mettre ma propre maison?
Oui, bien sûr. Et on va la mettre là. Ici. Voilà. Parfait. Enfin, c'est pas ma maison, c'est la mairie. Je me suis trompé. Autant pour moi. Voilà. Donc, le commerce augmente. Bon, alors là, je vous propose de trouver un autre nom. Donc, ville spécialisée dans le tourisme. On va d'ailleurs pas tarder. Attraction. Ah, ces attractions. Ce sont des attractions. On mettra un stade, un centre d'exposition et quelques monuments. Bon, ça coûte assez cher. C'est vrai. Bon, évidemment, cette ville va se baser principalement sur les revenus du tourisme et des impôts. Hein. Il faut le dire direct. Direct. D'ailleurs, je vais paf, prolonger. De gros investissements nous attendent. C'est le chômage. Crise du chômage. Ah, par contre, il demande un peu... Oui, il faut que je rajoute quand même du... un petit peu plus de zone commerciale. Effectivement. Effectivement. Ah, j'ai pas assez de influence. Il faut que je me prenne... Me prenne encore. Mais bon, hein. Il faut investir. Au début, c'est comme ça que ça fonctionne. Ah, merde, c'est pas droit. Évidemment, il va falloir... Je vire tout ça. Ah, je suis concentré, voyez-vous. Construire des routes, c'est affolant. Alors, on va rajouter... Tac. Du commerce, voyez-vous. Alors ici, j'espère que... Ouais, bon, je placerai des trucs. Vous inquiétez pas, je me débrouillerai. Est-ce que tu... ouais, en termes d'OIZ, est-ce que quelqu'un peut supporter la charge? Non, aucune. Bon, on va devoir redévelopper les services publics. Ça va être un petit peu contraignant. Voilà, tac, on va foutre ça là. Ah, ça traite. Toute la merde va se déplacer. Il demande un peu d'industrie, mais l'industrie, tu peux y aller. Attendez, on va voir au niveau employé. À des postes de niveau de richesse élevé à pouvoir utiliser le mur de la région pour demander des voisins à créer des zones résidentielles. Non, mais non, c'est moi qui... Je crée de la zone résidentielle pour que... Vois-tu... Des consommateurs puissent aller là-bas. À moins qu'ils ne puissent pas atteindre. Si, normalement... Ah non, c'est peut-être pas relié. Ouais. En fait, c'est pour ça, c'est parce qu'on n'est pas relié. Et du coup, j'ai créé cette ville au mauvais endroit. Non, si c'est sur la même région, je... Attendez. J'ai des gros doutes. J'ai de gros doutes. Attendez, on va tester. Je vais essayer de proposer des camions de pompiers, par exemple, ou des voitures de police à rivière de ce, je sais plus quoi, et pour voir si ça fonctionne. Alors, mon service de pompiers, où se trouve-t-il? Voilà. Service de pompiers... Alors, où est-ce? Alors, est-ce que je peux... Eh oui, putain, je suis pas connecté à la route. Bon, bah, c'est pas grave. Ah, flûte, va falloir que je refasse une ville industrielle de ce côté-là. Bon, bah, c'est pas grave, j'aurais fait un petit début de ville. On va le laisser là, je pense. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Du coup, va falloir que je la redéveloppe. Écoutez, ce qu'on fera... j'ai pas pensé à ça. Franchement, j'avoue, j'ai complètement pas pensé à ça. Vous voyez, elle n'est pas connectée aux autres villes. Et il y a deux parties de séparées. Donc on retourne sur Chinese Factories. Je vais devoir faire une ville à côté. Hein. Écoutez, c'est pas plus compliqué que ça. Qu'est-ce qui se passe? Tout va bien ici? Oui, j'ai l'impression. Manque de main-d'œuvre. Ah, processus d'embauche. Là, c'est chaud quand même. C'est chaud, j'ai pas du tout de main-d'œuvre. Va falloir que je construise ici. Hein. Est-ce que... Ouais, c'est connecté. Ouais. Je pense que je vais prendre cette ville. J'ai juste un peu de charbon et de pétrole. Ah, là, je peux pas voir.
Ah, ok. Bon, je pense que c'est celle-là, là. Écoutez, je prendrai ça là au prochain épisode. Pour l'instant, on arrive aux 30 minutes. Je suis désolé, ça va être la fin de cet épisode. On n'aura pas fait grand-chose, je m'en excuse. On aura switché, on aura recommencé une ville. Mais la prochaine fois, je vous dis, on commence une ville, on fournit des consommateurs à celle-ci et on commence à produire beaucoup plus de ressources pour terminer l'arcologie. Va falloir que je fasse une ville aussi spécialisée dans la haute technologie, mais bien plus que une university, enfin que Poor City. Au niveau du métal, ça, le métal, ça vaut pas très cher à importer, il me semble. Ça vaut combien le métal? Non, vous voyez, ça coûte rien. Je vais rajouter ici. C'est du minerai. Non, c'est du métal. Hein. Attendez. Oui, c'est bien du métal. Hop, 20 000. Ah, j'ai viré des bâtiments. Je m'excuse. Et on va. Ah non, le métal. Attendez. J'ai dit une connerie là. Ah non, ça c'est du minerai. Oui, j'importe du métal. Oui, j'importe déjà du métal en fait. Ouais, je vais peut-être pas faire ça non plus. Hein. Va falloir que je débloque la fonderie. Sauf que, évidemment, mon siège métal, ouais, je fais très peu de profit encore. Le minerai brut, ça rapporte pas beaucoup. Malheureusement. Là, il reste 14 mois d'extraction. Ouais, le charbon, ça rapporte pas beaucoup non plus. Hein. Et oui. Bon, en tout cas, bref, on va se laisser ici. J'espère que vous avez apprécié cet épisode. N'hésitez pas à lâcher un petit commentaire, un petit j'aime. Et puis, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Allez, salut à tous et portez-vous bien.